ce matin, nous venons à la rencontre du Seigneur, pas seul, bien sûr, mais avec tous ceux et celles qui sont réunis quelque part, dans les églises, dans les chapelles, mais en particulier à ce moment qu'on appelle la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors qu'on soit catholique, protestant, orthodoxe, nous avons un seul Seigneur. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu le Père, qui envoie son Fils Jésus-Christ annoncer son règne parmi nous, soit toujours avec nous. Dieu veille toujours sur ses enfants et ne cesse de les inviter à la conversion. Aujourd'hui, accueillons l'appel à cette transformation du cœur que nous lance son Fils Jésus-Christ. Répondons-lui avec confiance et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle du règne de paix et d'amour sans mesure, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour appeler les pécheurs à la conversion, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour l'unité de tes disciples, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté et de toute miséricorde pardonne nos péchés et nous introduise dans son règne d'amour éternel. Et chantons la gloire de notre Dieu. Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisées. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde attiré par sa lumière croit en Jésus, ton envoyé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à nouveau à Jonas.
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. La première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons
la parole de Dieu. À la lecture de ces trois textes de la Bible, pour moi, il y a quelque chose qui ressort d'une façon particulière, l'urgence. Ça presse. On peut dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est qui presse tant que ça? Bien, l'évangélisation. On sait que le pape, Saint-Pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, qui est retiré, mais qui est toujours vivant, ont aussi appelé à leur façon à une nouvelle évangélisation. Et le pape François a écrit ce qu'on appelle une exhortation apostolique qui s'appelle « La joie de l'Évangile ». Ça, c'était au tout début de son mandat, donc de son pontificat. Et cet Évangile nous annonce, donc, est une annonce pour lui le voir comme pour le monde d'aujourd'hui. C'est un peu comme si disait, un peu comme les Jésus lui-même a employé en rencontrant ses apôtres qui étaient des pêcheurs. Alors, il a un peu comme gardé la même expression. Il veut en faire des pêcheurs d'hommes. Alors, ils savent que c'est ce mot-là, ils le comprennent très bien. Alors, donc, comment après ça devenir pêcheurs d'hommes? Alors, que ce soit un langage d'Évangile pour notre monde d'aujourd'hui. La personne de Jésus ressuscité, il faut quand même le reconnaître, reste toujours à découvrir dans nos vies par une annonce qu'on peut comprendre. Dans l'Évangile, il est dit « Jésus partit pour la Galilée ». Ce départ se situe après l'arrestation de Jean-Baptiste et cet événement aussi va annoncer Jésus va l'amener à voler, on va dire, de ses propres ailes. C'est lui qui va devenir un maître. Je pense que ça peut très bien arriver qu'on se mette à penser l'annonce de l'Évangile, ah, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que dans notre monde moderne, que ça pouvait l'être dans les premiers siècles de l'Église. Je pense que c'est vraiment pas évident à ce point-là. Il faut dire d'abord qu'au moment de la venue de Jésus, il y avait Jean-Baptiste qui a été arrêté. C'était l'occupation romaine. Ensuite, aussi, on parle d'un gouvernement corrompu. Et un monde ordinaire, des petits employés, des gens, de simples gens qui avaient de la difficulté à arriver. C'était quand même la situation au temps de Jésus. Donc, c'est dans ce contexte que Jésus choisit de commencer l'annonce de la parole de Dieu. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Pour cette tâche immense, qu'est-ce que fait Jésus? Probablement que si on avait été à sa place, on serait allé chercher des professionnels. Mais Jésus, lui, ne va pas recruter auprès des spécialistes des Écritures. Il y en avait. Il y avait des scribes, des pharisiens, qui étaient des spécialistes. Il ne va pas non plus chercher des étudiants en théologie ou en catéchèse. Tout en se promenant sur le bord du lac de Galilée, donc, quand il prend contact avec du monde ordinaire, il appelle des pêcheurs, des hommes qui ont un métier difficile, habitués à affronter les tempêtes sur la mer de Galilée, ça monte et ça peut brasser le bateau. Et c'est en parlant de, en prenant ce langage, et simplement cette expérience des gens qui sont habitués aux tempêtes, je pense que ça nous donne déjà une bonne idée de ce que vit l'Église, ce qu'elle a vécu aussi
depuis 2000 ans. Alors Jésus, en parlant de ses appelés, nous dit, laissant là leur filet, leur barque, leur père, ils partirent derrière lui. Essayons d'imaginer des gens habitués à la pêche. Ce n'est pas des intellectuels, là. Probablement, il y en a plusieurs qui ne savaient, ce n'étaient pas des analphabètes. Mais tout un changement dans leur vie. C'est là qu'on se rend compte que tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des hommes et des femmes qui ont répondu à l'appel de Jésus, que ce soit comme prêtres, comme religieux, religieuses, des laïcs engagés. Moi, je pense simplement à Jean Vanier. Comment est-ce qu'il a commencé? D'abord comme officier militaire de la marine. Bon, il est toujours vivant, il a pris de l'âge, bien sûr. On sait que c'est lui qui nous a laissé les maisons de l'Arche pour venir en aide aux personnes blessées dans leur esprit. Il y en a une de ces maisons à Joliette. Saint-Ignace, bon, c'est plus loin, mais lui a été soldat, blessé. Il s'est à un moment donné retrouvé en réflexion, en convalescence. Et pour lui, ça a été un changement. Et à partir de là aussi, il s'est retiré et il a fondé la communauté des Jésuites. Il y a bien d'autres exemples aussi. Je pense simplement à un couple que j'ai connu en Abitibi qui s'est occupé de la Maison de l'Arche, après ça, qui a été appelé à s'en aller comme pour du ministère au Nunavut. Ça fait toujours partie du diocèse d'Amos. C'est pas à la porte. Ils ont accepté. Alors, pour moi, c'est un couple simplement engagé qui ont accepté cette mission. Alors, aujourd'hui, le Seigneur, est-ce qu'il a encore, il appelle encore des pêcheurs? Oui, mais on ne peut pas oublier que ça se fait dans une ambiance de crise. Crise morale, spirituelle, crise des valeurs. Il peut y avoir aussi une présence d'extrémistes qui vont jusqu'à violer, tuer au nom de Dieu. Alors, on voit comment le visage de Dieu est souvent défiguré. On vit aussi parmi des gens qui vont jusqu'à se dire « Je crois que Dieu n'existe pas. » Alors, on vit dans un monde qui était probablement aussi qui ressemblait à toutes les époques, mais la nôtre aussi, quand même, a ses particularités. Encore aujourd'hui, le Christ a besoin d'hommes, de femmes courageux pour aider à rendre le monde meilleur, pour aussi annoncer une bonne, une joyeuse nouvelle. En tout cas, le pape François, au tout début de son pontificat, il n'avait pas peur de dire « la joie de l'Évangile ». On peut dire « est-ce qu'il rêvait en couleur ?» Le passé vient nous aider quand même à comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Dans la première lecture, le prophète Jonas, il a été envoyé dans la ville de Ninive, mais une grande ville. Alors, pour lui, il voyait ça tellement immense, il a eu peur. Sa réaction, ça a été d'aller se cacher, de quitter et de ne plus en entendre parler. Parce que s'il disait probablement, « Je ne suis pas capable, c'est trop lourd », il a eu peur. Mais il s'est repris. Et avec la force de Dieu, sa mission a porté fruit. On dit dans le texte, que la ville s'est convertie. De nos jours, comme chrétiens, chrétiennes, nous ne sommes pas appelés à garder seulement des églises ouvertes, c'est-à-dire à avoir assez de monde pour ne pas penser de les fermer ou de les vendre faute de moyens financiers. Comme baptisés, nous sommes tous et toutes appelés à porter le message
de Jésus. C'est dit simplement un petit extrait du texte du pape François, La joie de l'Évangile, lui dit, nous devons trouver le moyen de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, nous sommes appelés, et on s'était un peu comme lancé, comme disciples missionnaires. Probablement, je suis convaincu aussi de ça, vous n'êtes pas appelé à partir dans des pays de mission à l'étranger. La mission, maintenant, elle est chez nous. Alors, on peut se dire, ouais, comment faire ça? C'est pas nécessairement par des sermons, pas du tout. Mais peut-être pas se gêner, des fois donc, aux enfants, aux petits-enfants, vivre quelque chose des fois de difficile, simplement dire, ben, je vais prier pour toi. Donc, ça peut peut-être surprendre un peu, mais ça fait partie aussi de notre mission d'accompagner et simplement d'accueillir, donc, dans la prière, les gens dans le besoin, et en particulier ceux qui sont plus proches de nous. Je pense simplement à une personne que j'aime bien et qui, donc, une de ses grandes amies qui a atteint du cancer, et à ce moment-là, donc, ça l'a touché beaucoup. Puis elle me disait, bien, tu y penseras dans ta prière. Donc, j'ai répondu, à deux, c'est plus fort. Alors, faut pas avoir peur aussi, des fois, d'inviter les autres à se rappeler peut-être un peu leur bataille. Évangéliser, faire connaître Jésus, son message, ça ne revient pas seulement aux prêtres. D'abord, il en manque, ils viennent d'ailleurs. Et il faut compter aussi sur nous-mêmes. Jésus est parti vers la Galilée des païens. Nous avons à être attentifs, nous, à ceux et celles qui paraissent éloignés de Dieu, mais peut-être qu'ils n'ont pas tout abandonné. Ce monde-là, il est dans ma rue, dans ma propre famille. Donc, la Galilée des païens, la terre de mission de Ninive, de Jonas, c'est chez nous. Nous avons à être des messagers de la bonne nouvelle, et nous serons d'autant plus convaincants que nous serons nous-mêmes convertis et disponibles pour embarquer à la suite de Jésus. Alors, on a des exemples, on a entendu Jonas, les apôtres, donc eux-mêmes, on sait comment c'est que ils ont quitté Jésus, ils ont eu peur à un moment donné, ils l'ont abandonné, mais ils se sont repris. Alors, je pense que c'est ça qui est plus important. Des fois, même si on se rend compte que peut-être qu'on n'est pas allé tellement loin dans notre mission comme baptisé, il n'est jamais trop tard pour se convertir. Pour ce doux, l'urgence qui m'a dit dans l'Évangile, aller à la rencontre de Jésus pour surtout en vivre et porter son message. Amen. En lien avec tous les chrétiens quelque part dans le monde, catholiques, protestants, orthodoxes, ensemble disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de nous tourner vers le Père qui nous appelle à la transformation du cœur. Confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Seigneur, que ton règne vienne. Pour notre monde en croissance, afin qu'il s'ouvre davantage à la bonne nouvelle et à la conversion, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les églises chrétiennes, afin que cette semaine de prière pour leur unité nourrisse encore plus leur désir de surpasser les divisions et de restaurer la communion plénière, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les chefs des nations, afin qu'ils se laissent habiter par la parole de Dieu, en vue d'une transformation intérieure, les disposant à mieux servir le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les membres de notre communauté, afin qu'à l'exemple des apôtres, ils répondent avec promptitude à l'appel de suivre le Christ pour le faire connaître et aimer des autres, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur Dieu, roi du ciel et de la terre, tu écoutes constamment les prières de ceux et celles qui gardent leur cœur tourné vers toi. Exauce-nous aujourd'hui et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
en célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous prendrons dans le prions à la page 18 pour la prière eucharistique. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité, encore définie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui ton propre Fils qui a été livré au pouvoir des humains, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit. Alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
la même façon ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémorial de son amour, en rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi. Le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce, accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Raymond, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes, les femmes de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus de Christ, notre Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, aussi, d'accueillir dans cette grande assemblée François Chrétien, recommandé par son épouse Mireille, Agathe Archambault, par Jean-Jacques Brissette, M. et Mme Joseph Garceau, par leur fille Denise, M. et Mme Joseph Pagé, par Paul et Lise Pagé, Albert Belle-Rose, par Gérard Plante, Jean-Marc Lavallée, par Claire et les enfants. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, siècle des siècles. Amen. Malgré les divisions qui existent toujours dans l'Église, c'est quand même le même Dieu et Père que nous prions, et c'est Jésus lui-même qui nous a laissé des mots pour nous adresser à ce Dieu, plein de tendresse et d'amour. Alors, en union avec tous ceux et celles qui sont réunis quelque part en ce moment, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. En priant pour l'unité, en priant aussi pour la paix,
Disons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, laisse la paix, le blanc de la paix, ne regarde pas le péché et la foi de ton Église, que ta volonté s'accomplisse, donne lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec.
mardi le 23, tel qu'annoncé dans le semainier. Il y aura au presbytère, comme à chaque mois, à 19h, prochaine rencontre pour le groupe de partage biblique. Alors donc, bienvenue. Ça ne se passe plus maintenant à la sacristie, mais dans la salle du presbytère. Alors, bienvenue à ceux et celles qui voudraient partager la parole de Dieu. Sur la balustrade, ici en avant, il y a toute la liste pour ceux qui accompagnent, ceux qui rendent des services au cours du mois. Alors, il y a encore des feuilles, on peut venir les chercher. Il y a aussi les boîtes pour la quête. Donc, il y a des numéros qui ont été mêlés. Alors, numéro 42, numéro 85, qui étaient déjà donc attribués à quelques personnes. En tout cas, ça a été un peu mêlé. On pourra venir s'arranger avec Francine pour peut-être prendre d'autres numéros si on se rend compte de cette maladresse. Alors, voilà. Et nous levons pour une dernière prière. Je vous invite à prendre à la page 29 dans le prion. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tant d'hommes et de femmes qui ont répondu avec joie à ton appel. Aujourd'hui encore, tu nous invites à marcher à ta suite, que ton esprit vienne sur nous et nous irons annoncer à nos frères et sœurs la bonne nouvelle de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui continue toujours à appeler, qu'il nous envoie en mission, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oubliez pas d'apporter à la maison le prion, de toi des beaux textes pour nous permettre d'approfondir les textes. Alors, allons dans la paix du Seigneur. Et bonne semaine. C'était la messe dominicale du 21 janvier 2018 à la paroisse Saint-Geneviève de Bercy. Le prêtre officiel, le père Robert Lalonde, alors que Sylvie Toupin, et au chant, la chorale de la paroisse Saint-Geneviève de Bercy sous la direction de Pascal Grose. Bonne semaine à tous, à la prochaine.